Salut les petits amis, bienvenue à la maison! C'est un jeu amazonien. Bien joué, Minette. Ah, c'est dommage qu'on soit pas le jeudi soir. Oui, parce que le jeu. Regardez, regardez, regardez. Ready, steady, ship, on va devoir envoyer des paquets. Une très très bonne remarque, Minette, tout à fait. Si avec ça les colis ont du retard, je n'y comprends pas. Alors, les colis des cadeaux de la semaine dernière doivent avoir un peu de retard parce que j'avais zappé une semaine, mais bon, ça va. Comment dire? Ah non, non! Ah oui, il y avait un jour férié. Ah, je sais plus. Oui, les colis que j'ai postés mercredi pour les cadeaux du jeudi soir, vous me suivez, ne sont pas partis mercredi parce qu'il n'y avait personne au courrier ce jour-là. Ils sont pas non plus partis jeudi ni vendredi puisque je pense que le service courrier était fermé à Gamon. Donc, ils sont, dans le meilleur des cas, ils sont partis le lundi. Voire, ils sont même pas partis. J'ai oublié. Parce que j'ai demandé à Julien, j'ai laissé les colis dans un coin de la loge, j'avais demandé à Julien de les poster pour moi, mais j'ai oublié de lui rappeler. Alors lui, il a un plus gros cerveau que le mien, donc il a dû y penser, ça se trouve, c'est déjà parti. Sinon, je les enverrai demain. Voilà. Tout est empaqueté, tout est fait. Tout est fait, prêt à partir avec mes petits doigts, j'ai mis l'adresse sur chaque truc et tout ça. Donc voilà, c'était pas pour toi, t'inquiète, c'était pour la pause 10 minutes, c'est vrai. Non, non, mais du coup, c'est bien, ça me permet de clarifier un peu cette histoire de cadeaux. Pour ceux qui nous rejoindraient et qui ne le savent pas, tous les jeudis soirs, c'est le stream officiel. Là, c'est un peu à l'arrache, mais. Et le jeudi soir, je récompense le meilleur pseudo et la meilleure vanne, et j'envoie un petit cadeau chaque semaine. Et j'envoie les cadeaux depuis Game One, ça m'évite d'aller à la poste. Donc chaque semaine à Game One, je fais mes petits paquets, j'écris l'adresse de la personne, l'adresse de Game One. Voilà, j'enveloppe tout ça et j'envoie. Sauf que là, j'avais 2 semaines de retard, je sais plus pourquoi, mais j'avais. Je sais plus pourquoi. Mais en tout cas, j'avais beaucoup de cadeaux à envoyer. Et puis, comme il y avait plein de jours fériés, bref, ça fonctionnait pas comme d'habitude. Faut changer la cam, dit Jojo la frite. Pourquoi elle est floue? C'est flou? Ouais, peut-être un jour je changerai. Je sais même plus ce que j'avais pris. En plus, j'ai des super trucs. Alex Pilote m'avait donné des caméras de No Life. Je pourrais techniquement la brancher, j'ai juste la flemme. Mais il faudrait, oui, un jour. Mon ami Eddy Brière, aussi photographe, m'a donné un super appareil photo qui peut servir de caméra. J'ai toujours eu la flemme de me pencher là-dessus. Vraiment, j'ai honte. Je ne suis qu'une merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai jamais le temps de rien faire. Donc, voilà, c'est flou là, le truc c'est flou. Alors attends, parce que quand c'est flou, j'ai une petite solution qui consiste à désactiver la caméra et à la réactiver. Hop, attention. Hop, me revoilà. Suis-je moins flou? C'est mieux. Ah oui, c'est mieux, c'est mieux. Oui, ma pauvre caméra, elle est automatique, donc je peux pas faire le point ou. Sinon, faut un caméraman, bonne idée. Madame Martoni, bonjour Madame Martoni. Tu bluffes Martoni, non? Incroyable. Ah, j'adore ce pseudo. Faut venir à jeudi soir. Plus on est flou, moins on est net, bien entendu. Plus on est flou, plus on rit également. La biche ne fait pas de moine. C'est de l'autofocus totalement, totalement. Du coup, je peux pas le régler. Et souvent, quand je veux vous montrer un objet, je l'approche de la caméra, elle fait le point dessus. Puis après, complètement à la ramasse pour refaire le point sur moi. Donc voilà. Bonjour, j'ai chopé une photo avec une de mes deux personnalités préférées, ever, Bob Lennon, et le deuxième, c'est toi. Vivement une rencontre. J'espère que tu vas bien. Eh ben, Ardo, Ardo's Mind, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, quand tu veux, je suis à Bordeaux ce week-end, je sais pas où tu es. J'ai beaucoup, beaucoup d'événements prévus. Ah bah, regarde, voilà, mon Vlacero. Ah, mon Vlacero qui est déjà là. Et que je salue au passage. Regardez, voilà, tu cliques sur la Marcus de Boulay salon et tu vas voir tous les endroits où je serai dans les semaines qui viennent. Donc à un moment, je serai pas loin de chez toi, donc n'hésite pas à venir. On s'organise toujours pour vous rencontrer en vrai avec mes mignons, dont Vlacero, Dindin, Timor San. Voilà, ils sont pleins, une quinzaine. Alors, je vais pas citer tout le monde, mais voilà. Et j'ai bronzé, tout à fait. J'étais à Aix-en-Provence et vraiment en 4 jours, c'était l'été pendant 4 jours, vraiment. On s'est promené en short et en t-shirt, voire en maillot de bain par moment, parce qu'on était à côté d'une piscine. Donc vraiment, c'était cool. Salut, Listens to Stream. Oh, c'est bien. Un pseudo à la James Bond. Classe.
Ben ouais, venez, venez nous voir. La séro sera là, donc venez nous voir. Il y aura aussi mon Francis, Joyce, ma photographe, qui seront là. On a un beau stand pour vous accueillir, donc n'hésitez pas à passer à Bordeaux Geek Fest. On vous retrouvera avec plaisir. Non, pas tout nu, j'ai raison, et Léviator, mais tout le monde. C'est la moitié du travail de fait, j'ai envie de te dire. Elle a toujours Pat qui est dans le coin. Coucou, mon Jean-Pat, bisous, mon grand. L'impératrice de la Choucal, votre Altesse. C'est vrai qu'il a fait beau. Alors là, par contre, il fait un temps pourri. Mais je ne vous cache pas que ça m'arrange parce qu'il y a 3 semaines, j'ai planté du gazon dans mon jardin. Il n'y avait plus que de la terre, il n'y avait plus rien. Donc j'ai retourné toute la terre avec le fiston, on a fait ça. On a semé des graines. Et là, ça y est, j'ai ça de gazon. J'avais peur qu'avec le beau temps, ça s'en aille. Et en réalité, non. Et bien touffue, bien verte, mon herbe, je suis trop, trop, trop fier. J'ai vraiment bien, comment? On a bien planté. Je suis assez fier de moi. Je fais pas souvent du jardinage, mais pour une fois, c'est réussi. Et il pleut des seaux à Toulouse. Eh bah ben voilà. Coucou Tarjoul, tu vas jouer à Top Spin dans 2 minutes. Alors nous allons jouer donc à Ready, Steady, Shift, effectivement, simulation d'Amazon, que je prévois pour un level 1 demain avec un chroniqueur. Je sais pas qui va être mon chroniqueur. Je sais pas si Julien m'a répondu pour me le dire. Je vais voir ça tout de suite et je vais vous le dire tout de suite si j'ai la réponse. Oui. Ah bah c'est Julien. C'est avec Julien qu'on va faire Amazon. Très bien. Et mon invité c'est Ayrton Gomes qui fait du stand-up. Très drôle. Et il a demandé à jouer à un jeu que je connaissais pas qui s'appelle MX vs ATV Reflex. Vous savez ce que c'est, non? C'est un jeu de motocross. Et voilà. Été nul en motocross, mais justement, lui il aime ce jeu donc j'ai joué du coup un petit peu hier. Peut-être on regardera tout à l'heure. Et c'est un peu technique, mais ça peut être drôle. Surtout s'il me fait une masterclass, il m'apprend à jouer. Je vais lui expliquer que j'ai perdu contre ma chaussure sur un jeu de motocross il y a 25 ans. Donc peut-être même on mettra l'extrait. Voilà, donc voilà, c'est assez drôle de comment. De se dire que je vais rejouer un jeu de motocross 25 ans après celui où ma chaussure a failli me battre. Failli, parce que en réalité j'ai gagné. Mais j'aime bien laisser courir la légende urbaine que j'ai perdue contre ma chaussure. Mais est-ce qu'il y en a qui connaissent ce jeu parmi vous? J'arrive pas à retenir le nom. MX vs ATV Reflex. Qui date d'il y a 15 ans déjà. Il y a eu des MX vs ATV plus récents. Genre Legend ou je sais pas quoi, mais tout le monde, j'ai regardé un peu, tout le monde dit non, c'est vraiment de la merde, Reflex c'était vraiment le meilleur, après les épisodes suivants c'était nul, etc. Donc voilà. Les Furusso t'adorais, MX 2002, featuring Rick Carmichael, ah c'est lui dont je me moquais, tu me parlais d'une vidéo où j'imitais le champion de motocross. Non, personne connaît, mais écoute, lui c'est culte pour lui et j'ai découvert que c'était culte pour beaucoup de gens en fait. Il y a même des gens qui. Il y a un mec qui a vu une vidéo il y a 5 jours sur ce jeu en 2024. Donc il est sur PC, il y a des gens qui l'ont modé pour avoir de la boue, des trucs et tout. Et franchement, c'est pas mal. C'est marrant qu'ils aient pensé à ça. Les colis sont bloqués sur le tapis. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, j'avais pas vu. Ah, c'est drôle. Oui, ok, même dès l'écran. Pas déconne, j'ai bloqué la machine. Bon, allez, on va la débloquer, la machine. J'ai commencé à jouer un petit peu, donc on va pas prendre le tout début, mais je crois quand même doit être au 3e, 4e niveau. Des fois, je joue dans les. C'était hier soir, il était un peu tard, je me dis, je vais pas les déranger. Et j'adore la petite musique. Déjà, ça commence bien. J'ai acheté Canard PC la semaine dernière, c'était hyper intéressant, je recommande. Ah, bah oui, mon Florus au Canard PC. Toujours bien, très très bien. Bons articles sur le jeu vidéo en ce moment, justement. Enfin, ça c'était dans le numéro d'avant, plutôt, sur un peu la crise du jeu vidéo. Et là, ils ont fait des très bons articles sur est-ce que le jeu vidéo nous apprend vraiment quelque chose? Est-ce que si on joue à Flight Simulator, on peut vraiment piloter un avion? Est-ce que, enfin, voilà. Est-ce que si on joue à Call of, on peut vraiment faire la guerre? C'est intéressant, ces articles, c'est bien. C'est un peu décalé par rapport à juste l'actu, les previews, les tests, etc. Donc ça, c'est bien. Pour être d'accord, si tu le fais en level 1, tu ne devrais pas le diffuser, car on n'était pas à la maison. Ah oui, ce serait pas mal. Manque plus qu'un follower qui s'appelle Chrono et qui le poste. Ce serait parfait, franchement. Canard PC comme son frère Canard WC, exactement. C'est comme ça qu'ils ont voulu le titre. Ça me fait rire parce que j'avais vu les chroniqueurs, je sais plus, il y a très longtemps, au tout début de Canard PC. Et, bah, je crois que c'était. Il était très drôle ce mec d'ailleurs.
Un petit brun avec la coupe au bol. Les obséquieux qui. Son one man show, c'était un PowerPoint, vraiment. Ah, ça vous dit quelque chose ou pas? Bref, il faisait une revue de presse à un moment. Non, pas Mireille Mathieu, pas Jeff Bezos. Ça va me revenir son nom, et j'aime beaucoup ce mec-là en plus. Il faisait une revue de presse, des journaux genre Passion, Chasse au canard ou des trucs comme ça. Et il avait pris Canard PC en se moquant du titre, sans comprendre que c'était fait exprès le titre, justement. Mince, comment il s'appelait? Vous voyez pas? Un brun, un peu fluet, vraiment coupe au bol. À l'époque de Canal, je sais pas, c'était. Ça va me revenir. Pas Thierry Lafronde. Ah, ça vous dit rien. Il faisait beaucoup ça, des revues de presse de magazines, genre Meubles d'époque magazine, des trucs comme ça. On le voit plus en fait, je sais pas, mais il était vraiment très drôle, je crois même que j'étais allé voir son spectacle. Ça me reviendra. Allez, j'ai du travail à faire. Ah putain, ça m'énerve de pas retrouver. Pépin le Bref, Lucky Luke, non. Oh mince. Je sais, mais j'ai plus son nom, mon plan Russo aussi. Oui, il est encore vivant, j'espère pour lui. Il était assez jeune. Hein. Salut Caradoc. Ah, tu vas pouvoir nous aider. On cherche un humoriste des années 90-2000 qui faisait des revues de presse de journaux idiots, genre Horloge Magazine, des trucs comme ça. Et Hubert Montgrail, oui, pour la coupe. Et il était très drôle et il avait fait un spectacle, un one-man show, où c'était comme une réunion, quoi. Alors, petit A, nous allons faire ça. Alors, petit A, petit 1, petit B, machin, tout ça, c'est un espèce de truc parodique comme ça. Et c'était vraiment drôle. Ah, ça m'énerve, je le visualise tellement. Chris Esquer, merci Jean-Pat. Merci Jean-Pat. Ah, t'es le meilleur. Chris Esquer, voilà, Chris Esquer. Qu'est-ce qui devient Chris Esquer? Googlons-le. Googlons-le, les amis. C'est vrai, on le voit plus. J'espère qu'il va bien. Chris Esquer, ah, t'es fort, mon Jean-Pat. Voilà, parfait. Voilà, j'ai une petite photo. Alors la caméra va évidemment pas vouloir, mais voilà. On va attendre qu'elle fasse le point. Vous voyez? Voilà, très drôle ce gars. Oh, j'adorerais l'avoir dans un level 1. Alors qu'est-ce qu'il fait? Tiens, au lieu de travailler, moi je regarde ce que devient Chris Esquer. Bon, mais c'est bien. Il est né en 75, donc. Il a un site on ne peut plus officiel. C'est bien lui. Voilà. Et là, je vois qu'il fait des trucs, voilà, 2014-2020 sur France Inter, visiblement. Autre question, où est Chris Esquer? Depuis septembre 2018, l'humoriste fait une chronique dans la matinale de France Inter, un jeudi sur deux. Alors, est-ce que c'est encore visible? Tu passes en lurk parce que tu es au travail et tu veux pas. C'est très bien. Il est encore sur France Inter. Il fait des équerres aussi. C'est possible. Bon, on va se renseigner parce que moi j'aimais beaucoup ce humoriste et j'aimerais bien savoir ce qui est bien. Et puis si on peut l'inviter dans un level 1, ce serait parfait. Oh, la caméra, regardez ça! La caméra qui... Ah non. Non, moi je fais pas le point sur un truc comme ça, à l'arrache. Alors je te désactive, je t'active et tu me défloutes. Merci. C'est mieux. T'es flou? Mais vous êtes flou? Oh oui. Alors, allons-y. Mais cette petite musique est bien agréable. Alors, est-ce que je prends le binoclard ou le barbu? Un barbu, c'est un barbu. Deux barbus, c'est des barbus. Oh, merci, Carole, qui vient avec ses petits amis. Merci, ma Carole. C'est gentil. Ah, super, les petits amis de Carole. Bienvenue. On joue à Amazon. Ah, oui, c'est gentil. Je vais faire le niveau 3, c'est parti. Salut Gadjin, salut Bipay. Oh là là, mais trop bien les petits amis de Carole. Est-ce qu'il y a des pseudos rigolos chez vous? Parce que chez nous, ça, attention, il y a du level. On accepte que les gens avec des pseudos rigolos. Aria Zumi Poulish, par exemple, ça marche. N'hésitez pas à faire des petites coucou, les amis, comme ça je vois vos pseudos. Toto Rotator. À quand la prochaine soirée sur tes antennes? Eh ben peut-être ce jeudi. Je suis en train d'y réfléchir là. J'ai envoyé un petit message hier à Game One parce qu'il voulait m'aider et faire un peu de buzz autour de ces soirées React sur Level 1.
et me donner les originaux en bonne qualité. Donc peut-être ce jeudi, on fera du react de vieux Level 1 d'il y a 25 ans. J'attends leur réponse là, dans la journée. Peut-être, si c'est pas là, ce sera la semaine prochaine. Parce que je sais qu'ils voulaient faire un peu de buzz autour, prévenir les gens. Et là, j'ai prévenu un peu tard. Donc voilà. Mais comme il y a peu d'actualités de jeu en ce moment, c'est possible qu'on fasse ça jeudi soir. Donc les petits nouveaux qui viennent d'arriver de chez Carole, peut-être jeudi soir sur mon stream. Moi, je stream normalement que le jeudi soir à 21h30. Je suis pas comme Carole, je suis une feignasse. Moi, je suis pas tout le temps en train de travailler. Carole et Julien, je les admire, ils travaillent vraiment sans arrêt. Ils sont hallucinants. Ils sont tout le temps sur le coup. Je trouve ça fou, quoi. En plus, avec un bébé, enfin bon, incroyable. Et un chien. Donc voilà. Mais bon, voilà. Donc du coup, moi, ça n'est que le jeudi soir, normalement. Ce que je vais faire, c'est que je vais... de temps en temps, je fais des level 1 un peu à l'arrache. Je prépare les level 1, c'est ce que je fais là ce matin. Ça, c'est des level 1 qu'on verra demain. Et je les prépare devant vous au lieu d'être tout seul à la maison. Voilà la différence. Popopo, dit le Florisso, qui est quand même l'instigateur de ces soirées react sur des vieux level 1, parce que c'est lui qui a eu l'idée et qui m'a proposé, qui m'a fait une bonne petite liste de différents level 1. Donc voilà, je vais essayer de... On va faire ça. Soit tous les mois, soit tous les deux mois. J'ai pas encore trop décidé, mais voilà, là on est plus sur deux mois, mais ça fait un peu plus d'un mois que j'ai fait la première. Donc je pense soit ce jeudi, soit celui d'après, on fait ça. Voilà. Allez, il faut que je travaille. Cette fois, on a plusieurs boîtes à charger dans un camion spécifique. Je t'ai laissé une note avec l'ordre de chargement. Ok. Donc c'est quoi ce jeu? On pourra jouer à deux, donc j'ai choisi de jouer à ça avec un ami, ce sera avec Julien. Et donc j'ai des tapis roulants que je vais mettre en branle ici. Et regardez, c'est pas du tout les bons. Ah merde! Et oui, parce que là il veut des trucs rouges et là il veut des trucs bleus. Donc j'ai merdé de base. Et puis vous voyez, il y a des trous dans mon tapis roulant, donc là ça va pas le faire du tout. Alors, je vais recommencer directement. J'ai commencé par faire une merde. Évidemment, salut, Geek & Co. Bienvenue. Coucou, Alex Kawaii. Jeudi d'après, ça m'arrangerait. Ce jeudi, je dois me coucher hyper tôt. Ah, si Alex dit que ça l'arrange plutôt jeudi prochain. Je pense que ça va arranger beaucoup de monde, peut-être même moi. parce que je crois que c'est ce jeudi, je vais dîner chez mes parents. Et du coup, il faut que je rentre en courant pour faire le stream. C'était le seul moment où je pouvais y aller, je sais pas si c'est jeudi là ou jeudi d'après. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Vraiment, ils habitent pas loin, mais je vais déjeuner chez mon papa, je vais dîner chez mon papa, et il faut qu'à 9h30 je sois rentré pour mon stream. Ça veut dire que je vais tout préparer le stream, dîner chez mon papa, et à 9h15, je rentre ici, je lance le stream. Donc il vaut mieux que ce soit un stream simple. Si c'est un stream un peu compliqué avec des vidéos et tout ça, ça va être un peu chaud. Donc ce sera peut-être dans 2 semaines. Voilà, je vous fais du teasing pendant 2 semaines. Et là, on trouvera un jeu sympa à faire jeudi soir. Et je pense que c'est ce que vont me dire Game One aussi. Ils vont me dire on n'aura pas trop le temps de faire du buzz. Il faudrait faire du buzz aujourd'hui, demain pour jeudi. C'est un peu court. Est-ce que je peux baisser un peu le son du jeu? Mais il n'y a qu'à demander, mon Blasero, bien entendu. Même si la musique, je la trouve bien sympathique. Alors. À droite, il faut les rouges. À gauche, les bleus. Donc, elle est là. Ils ont tout inversé. Alors, première étape, il faut que je complète ce tapis roulant. Donc, je vais poser ça là et on va le mettre vers la gauche. Voilà. Maintenant, il faudrait que les cartons rouges aillent à droite. J'ai bien compris. Et les cartons bleus à la gauche. Hop. Alors imaginez, là je suis tout seul, mais on va faire ça à deux. Donc ça va être bien l'occasion de s'engueuler, je pense. Non. Non, c'est le carton que je voulais, c'est pas la... Je recommence. Alors je peux pas sauter, donc je suis obligé de prendre... Ah merde. Comment je vais faire pour attraper le carton et pas le bloc? Bon, voilà, je l'ai poussé un peu. Ça devrait le faire. J'adore cette musique. J'adore la musique des années 70. Ok, c'est mieux rangé.
Donc maintenant, si je déclenche le truc... Ah, c'est mieux. Alors, les cartons bleus vont à gauche, c'est très bien. Attention, voilà des cartons rouges qui arrivent. Donc hop, j'arrête. Ouf, juste à temps. Et là, je vais changer le sens de ce tapis. Je vais l'orienter vers la droite. Comme ça, chaque truc ira au bon endroit. Il faut remonter un tout petit peu le son. Ok. Je vérifie qu'il n'y a pas des cartons bleus qui arrivent. Voilà. Attention, carton bleu. Hop, on le met par là. Ah, je suis quand même le roi du rangement. Voilà, sauf que maintenant, il n'y a plus de carton. Alors, j'ai repéré qu'il y en avait là, en hauteur. Et là, il y a une sorte de petit ascenseur avec un interrupteur dessus. Donc, il faut que je déclenche l'interrupteur. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de jeter ce truc dessus. Hop! Voilà! Wow, formidable! Je peux les jeter d'un peu loin, mais je trouve un peu merdique la façon de jeter, parce qu'il fait une sorte de va-et-vient automatique avec le curseur, et c'est pas forcément évident à manipuler, je trouve. Alors ça va de l'autre côté. Hop. C'est pas bien doué pour le lancer de carton. Voilà. Une fête des déposer en fait. Et d'essayer de les lancer. Je voulais gagner du temps en les lançant, mais. Je vais chercher les enfants à l'école. À tout à l'heure. Ah, toi, il mange chez toi le midi. À tout à l'heure, Minette. Merci pour la vanne sur Amazon, c'était très bien. Elle a dit que tu arrives, elle a dit c'est un jeu amazonien. Ce qui était parfait. Alors. Voilà. Super, j'ai fini ma mission. Donc je peux sortir et aller à la mission suivante. C'est donc pour ça que mes colliers arrivent toujours avec les coins abîmés. Oui, c'est vrai que si c'est moi qui suis aux commandes, c'est pas forcément terrible, terrible. Alors ici, c'est pareil. Oh, il y a même trois couleurs de carton. Alors, première étape. Orienter les trucs. Ça, c'est pas mal fait. Le gameplay est assez agréable. Je n'ai pas besoin d'être positionné de manière très précise, ça fonctionne quand même. Voilà. Alors, bon, c'est positionné, mais je sais pas si c'est bien positionné. Donc par exemple, les colis bleus doivent aller tout droit. Donc là, je vois qu'il y a du colis bleu. Voilà, j'en ai un deuxième. Merde, je ne sais jamais pour le récupérer celui-là. Ah, il a disparu d'ailleurs. Ah, il réapparaît, ok. Ah, c'est très pénible cette façon de lancer qui fait des va-et-vient là. Ok, alors là, normalement, les bleus, ils vont là où il faut. Et maintenant, qu'est-ce qui nous arrive? Encore du bleu. Oh, stop! Du coup, ça, je le mets comme ça. Mais il faudrait que l'autre aussi, je le mette comme ça, sauf que là, j'y ai plus accès, en fait.
obligé de faire le ménage un peu. Voilà, on a ça comme ça. Je vais aller chercher. Ah, c'est laborieux, mais quand on sera deux, heureusement qu'il n'y a pas de verre dans les cartes. Ouais. Quand on sera deux, ce sera plus facile, je pense. Allez. Voilà, tout est bien positionné. Alors, toujours du bleu, très bien. Après, du rouge. Stop. Oh. Le rouge va à droite. Ah, c'est relou de pas pouvoir. On peut marcher dessus en même temps. Voilà, le rouge va aller par là. Et donc ça, on va le repositionner comme ça. Ça, c'est mieux, hein. J'espère que c'est bon. J'espère aussi. Là, il y a un petit colis rouge, là, encore. Attention, après, on arrive avec du jaune. Alors, déjà, du rouge ici. Voilà. Merci Moinelle. Oh, c'est gentil, merci. Oh, c'est trop bien. Alors, hop. Pourtant, c'est pas passionnant. On travaille chez Amazon ce midi. Donc, c'est pas forcément le truc le plus passionnant à regarder. Mais bon. Moi, ça me fait un bon level 1. C'est tout ce que je demande. Voilà, celui-là, je vais le poser là. Ok, allez, tout est en place. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est bien rangé. Voilà, il en faut combien de chaque côté. Bah c'est bon, c'est à peu près tout. Bienvenue les petits amis de Moinelle. Merci Moinelle, c'est très gentil de venir avec tes petits amis. Et bah bienvenue. Je suis en train de préparer les level 1 qui vont être tournés demain. Et j'ai trouvé ce petit Ready Steady Shift qui consiste à s'amuser avec des tapis roulants, avec un système de tapis roulants, etc. pour essayer de faire des livraisons. Et malheureusement, ce truc-là s'est coincé n'importe où. Et ça va être bien à faire à deux, quoi. Bon, voilà, je crois que j'ai pas fini. Mais ça va ouvrir quand même le niveau. Donc ça va être très cool. Oui, c'est la journée des raids, dis donc, c'est vrai, on a plein de petits amis qui arrivent. Eh ben, bienvenue, n'hésitez pas à faire un petit coucou, que je vois un peu vos pseudos. Alors, je répète, je stream vraiment à l'arrache, là, quand c'est dans la semaine, comme ça. Mon vrai stream, c'est le jeudi soir, à 21h. Pour un gros jeu, et je récompense les meilleurs pseudos et les meilleurs vannes. J'envoie toujours un petit cadeau au meilleur pseudo et à la meilleure vanne de la soirée. Donc, faites voir vos pseudos drôles. Faites-moi un petit coucou. Comme ça, je repère et je vous dis, revenez jeudi ou pas. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, je peux pas voir à la volée tous les pseudos, tous ceux qui viennent d'arriver. Merci déjà d'être là, c'est gentil. Mais par contre, si vous me faites un petit coucou, je vois votre pseudo. Et du coup, je peux vous dire si vous avez une chance de victoire un jeudi soir ou pas. Sachant que, comme vous le voyez, chez moi, il y a déjà du lourd. On a la bif ne fait pas le moine, par exemple. Hier, on a fait un raid chez Poupinala. Elle a halluciné quand elle a vu ton pseudo. Ce qui est normal. Alors, je vais mettre ce petit truc ici. On va le tourner. Je peux pas le tourner dans le bon sens. Ah tiens, c'est bizarre. Ah voilà. Là, il est bien placé. Et là, je déclenche le truc. Ok. Alors, ce que je peux faire, c'est poser un carton sur l'interrupteur pour qu'il s'enclenche. Voilà, automatiquement. Et maintenant, moi, je vais aller chercher des cartons bleus. C'est ça le truc. Impératrice de la choquette, il ne faut pas des pseudos en carton pour être sur système. Vous voyez, un pseudo comme impératrice de la choquette. Qui en plus est basé sur des faits réels.
Et qu'elle m'amène des chouquettes quand elle vient me voir sur les salles. Bah c'est génial d'avoir des pseudos comme ça. Alors, est-ce que je fais un truc genre, je m'évite quelques allers-retours, quoi. Je vais faire un test. Je vais faire un test de noyade dans l'acide pour voir. Après tout, je suis mon propre cobaye, j'ai le droit. Parce que ça, c'est quand même un peu dangereux. Hop, regardez, je l'ai jeté. Ah, voilà, dans le vide. Je me suis jeté dans le vide, moi, et j'ai jeté le paquet. Autant dire que c'est une vraie réussite. Il en faut combien? Il en faut deux ou trois seulement? Alors, c'est pas celui-là que je voulais, c'est celui-là. Oh, allez! Oh non, mais quel maladroit! Il faut tout tomber. Allez, 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 allez. Jusqu'ici, je trouvais le gameplay très, très efficace. Sauf que maintenant, j'ai du mal à. J'arrive pas à attraper celui-là. Alors là, il y a un bug, je peux plus attraper les objets. Alors là, il y a petit problème. Salut Sylvian! Bienvenue! Non, je peux plus attraper les objets. Ah bah alors, s'il y a des bugs. Je peux prendre une boisson. Je sais pas à quoi ça sert, mais voilà. Peut-être qu'il va plus vite. Ouais, je crois qu'il va plus vite. Je crois qu'il va plus vite. Alors, c'est bien d'aller plus vite, mais je peux plus ramasser les objets. Donc je pense que c'est bugué. Alors je vais recommencer. De toute façon, j'avais pas fait grand-chose, à part tomber comme une merde dans un trou. Mais c'est ma signature en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Efficace, le fils de Patricia. Merci, le purée glace. Oh non, merde, faut que je reparte de là! Oh, c'est pas sympa, ça. Oh, ça, c'est pas sympa. Oh, Julien, là, il va pas aimer quand on va faire ça tous les deux. Mais alors, on refait pas. Du coup, ça va nous obliger à être bons. Alors, allons-y. Les colis bleus vont à droite. Voilà, les colis rouges vont à gauche. Oh merde! Voilà, vous voyez, ça s'affiche le fait que je puisse le prendre. Oh, ça, j'ai envoyé direct. Un colis bleu, là, c'est par là. Voilà, colis rouge, c'est par là. Ok, maintenant, est-ce que voilà du bleu, donc du bleu ça va pas. Hop, hop, hop. Il faut que je change ce tapis roulant ici et que je le mette vers la gauche. Voilà. Voilà, et dès que je vois du rouge, j'arrête. Hop, je modifie. Heureusement que j'aime bien la musique parce que sinon ce sera assez pénible. C'était de l'acide colhydrique. Oh bravo, vas-y Nonox. Je connaissais pas ce pseudo en plus, très bien. Trop content de te trouver sur Twitch et de te voir en live. Je t'ai connu avec les Level 1 sur CanalSat. Merci Silviano. Eh ben ça nous rajeunit pas, mon ami, ni toi ni moi, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Écoute, je suis toujours sur Game One. Si tu veux venir, on est. On est tous les mercredis en live, donc demain. Et je tourne 4 level 1 par semaine, en plus de Team Game One qui est en live le mercredi après-midi. Donc Game One est toujours là, moi aussi. On s'amuse toujours, autant. Et en plus, moi, je suis sur Twitch le jeudi soir à 21h30. C'est la seule soirée où je peux vraiment streamer, même si je vais dîner chez mon papa, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et sinon, voilà, quand je prépare les level 1 depuis quelques temps, je me dis, tiens, bah autant streamer, ça fera plaisir à des gens. Et j'espère que ça vous fait plaisir, la preuve. Salut maman les petits bateaux, ah c'est tellement temps. Ah maman les petits bateaux, très beau pseudo. Ah Rapaima, merci.
Content de te voir, moi aussi j'étais connu sur Game One. Ah là là là. Oh bah ouais. Salut Mathiage, salut les amis. T'as pas vu celle du haut, t'as un casque de chantier parce que tu travailles en colimaçon. Bien joué, bien joué. Alors, j'ai dit les colis rouges ici, les colis bleus là, les colibris nulle part. Voilà, hop. Il vaut mieux, je pense, que je pose d'abord les colis et que je mette le tapis roulant en marche ensuite. Parce que sinon, ça sent les ennuis un peu trop. Oh merde, je vais faire vraiment, je dis mal. Ah, c'est chiant parce que j'ai déjà fait tout à l'heure ça. C'est chiant de devoir le refaire, mais. Merde, je virais. J'ai viré un colis en voulant poser un autre. C'est pas grave. Bon, je vais aller mettre le truc en route. Je vais rattraper tout ça. Voilà. Celui-là, il a roulé loin. Allez. On y va. Ah là, ça bloque un peu. Hop, 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 hop. Ah, il y a un vrai petit moteur physique. Hein, pour gérer les. Les colis. Voilà, il me reste un colis bleu là-bas. Et on sera bon. Avec Marcus, c'est le colis bleu. Le bris de colis, exactement. Michel bris de colis. Oh, les vannes de boomer. Ah oui, alors les nouveaux venus. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais c'est vraiment un stream de boomer ici quand même. donc vraiment... c'est quand même dommage. Merci mon dindin qui a fait un sub, c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Merci mon dindin. J'ai raté, j'étais concentré sur mes colis. Alors, bah, qu'est-ce qui manque? Il manque rien. Ah, ici, un colis bleu qui s'est perdu là-bas. Ah, oh, du coup, il faudrait que je remette en marche le truc. Peut-être je peux le balancer dans la soupe direct comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Super. Alors c'est dommage parce que c'est à cause du bug que ça a merdé tout à l'heure quand même. Alors celui-là. Alors d'abord c'est des colis bleus, donc on va le mettre comme ça. Hop. Et hop. Voilà, je vais même rajouter cela au passage. J'ai choisi bien mon moment pour le rajouter. Et maintenant, il faut que j'arrête parce que c'est du colis rouge. Donc, on va modifier. Non, ça, on va pas modifier. On va modifier celui juste après. Alors, je vais embarquer ce colis bleu. Voilà. Celui-là, il va aller là. Et ça, ça va tourner comme ça. Oh là là, je deviens professionnel. Voilà, les colis rouges vont à droite. C'est parti. Enfin, all-in sur le tapis vert. Oui. Je ne pourrais pas ça. Hop. Oh, un colis vert. Vite, vite. Faut que j'arrête le truc avant que ça tourne mal. Là, je peux pas le ramasser. Ça, je vais le poser là. J'allais le dire délicatement, mais pas du tout. Alors, faut que je tourne ça comme ça. Est-ce que je peux attraper? Non, faut que je monte sur le côté. Ouais. Moi, c'est le colis que je voulais, c'est pas le tapis. Ça, c'est un problème, c'est que des fois, on n'attrape pas ce qu'on veut. Voilà, le rouge, on le remet en place. Et ces deux verts là,
Voilà. Julien, il va gueuler, quoi. Parce on va jouer ensemble. J'ai toujours un level 1. Je tourne 4 level 1 chaque mercredi. Un avec un chroniqueur, donc ce sera avec Julien et ce sera celui-là. Toujours des jeux pourris. Il me déteste à force. Oh là là, il y a de la bousculade là-bas. Un avec un chroniqueur et ce sera Julien. Un avec un invité et donc ce sera sur le jeu de motocross. Ce sera l'occasion de montrer que je suis toujours aussi mauvais. Je suis encore capable de perdre une chaussure. Et puis un normal. Ce sera Pac-Man Battle, je ne sais plus quoi, qui est assez rigolo. On verra tout à l'heure. Et le dernier, ce sera tout seul et en live l'après-midi. Ce sera Little Kitty in a Big City. Voilà, allez, j'essaie de pas me faire tuer. Voilà, on va vraiment jouer la prudence. Tu viens d'Espagne? Alan Morgan? Coming Wolf 13, tout ça. Eh bah, incroyable. Alors, je vais mettre ça ici. Je vais poser un petit carton ici sur l'interrupteur. Et maintenant, je retourne chercher mon carton bleu. Alors, il en veut 3, j'en ai déjà mis un. Est-ce qu'il y en a bien 2 autres là-bas? Oui. Tu es où en Espagne? J'adore aller à Barcelone, ça fait longtemps que je suis pas allé. Mais là, Aix-en-Provence, il y a un petit côté Barcelone, un peu comme à Barcelone avec des Ramblas et puis plein de petites rues où on aime bien se perdre. Je trouve que Aix-en-Provence, ça m'a beaucoup fait penser à ça. J'ai raté. Du coup, je repars de là. Il en manque un. Ils l'ont caché sous d'autres trucs, évidemment, parce qu'ils voulaient pas que je le voie. Marcus, t'as entendu parler du jeu One Step Baby qui va arriver cette année sur PC, ça a l'air complètement barré. Non, ça me dit rien. On avait fait un jeu un peu dans le genre où tu dois t'occuper de bébés dans une crèche. C'est un peu comme Overcooked mais avec des bébés. Alors faut pas faire cuire les bébés, je vous rassure, mais faut veiller sur eux, changer les couches, c'était très drôle. Mais pareil, ça se joue à deux. J'aime bien les petits jeux à deux comme ça. Ah mais il y a des cartons rouges à mettre à droite là, j'avais pas vu. Et les cartons rouges sont tous tout là-haut. Ok. Salut Eurixis. Don't overcook the baby. Est-ce que je peux embarquer les trois? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas courir à la catastrophe? Sûrement un peu. Oh, je suis. Ouf. Oh! J'ai cru qu'elle allait pas le prendre. Je suis obligé d'être concentré, hein, excusez-moi, mais avec mon pauvre petit cerveau là. Alors, je pense qu'avec Julien, on fera les premiers niveaux les plus simples. Ouh, j'ai failli tomber avec le carton. Allez, on y va. C'est un jeu où t'apprends à marcher à un adulte. Il faut faire attention. Ah oui, attends. Il faut que je lise ça. Il faut faire attention où tu marches, à ne pas glisser. Je pense qu'il n'y aura que 2 boutons, un par jambe. Ah, excellent. Comment tu as dit que ça s'appelait? Je vais remonter. Ah, super, on a fait le niveau 3. One Step Baby, ok. J'imagine que ça doit être comme. Ça doit être comme. Octodad, tu sais, où tu diriges un poule. Pareil, chaque touche était un membre. C'était impossible. C'était impossible
à diriger, mais c'était drôle. Donc voilà. Salut Ostophoto. Vive Aix-en-Provence. T'es de là-bas? Très belle ville, vraiment. J'ai passé 4 jours juste à côté de Aix, et puis on est allé 3 jours à Aix. C'était super, vraiment. Adoré cette ville. Je connaissais pas du tout. Et vraiment, c'est une grande ville, mais quand même à taille humaine. Et super sympa, quoi. Tout le monde est super sympa. Donc, dont toi, j'imagine. Alors, tu devrais remarquer que la pièce actuelle est dans le mauvais sens. C'est le mécanisme de rotation. Fais glisser la pièce dessus pour la tourner. Ah, je peux pas la tourner. Ok, celle-là, j'ai de l'amener là pour la tourner. Ah oui, parce que c'était très lourde. Je vais la mettre là. Et je vais la tourner dans le sens qui m'arrange. C'est-à-dire, bah j'en sais rien, quoi. Voyons voir ce qui va arriver. C'est du bleu. Le bleu doit aller à droite. Donc. Ça tourne un peu violemment. Encore un coup. Voilà, ça c'est bien. Ça me rappelle les vieux Tomb Raider là. On avait des fois de pousser des caisses de manière pas très ergonomique au début. Allez, petit colis bleu, allez-y. Ça y va tranquillou. Là, il y a une petite interruption. J'imagine que je vais pas tarder à avoir des colis rouges. Et oh là là, il y avait un truc qui. Il y avait un truc qui partait en hauteur. Ça avait l'air intéressant quand même. J'entends déjà dans ma tête Julien qui va dire non mais je suis pas payé pour travailler pour Amazon. Voilà. Et alors là je suis tout seul, mais quand on va être deux, ce sera sympa aussi à faire à deux quand même. Voilà, très bien. Donc là, le niveau normalement est terminé, mais moi je suis curieux. Donc j'ai envie de tourner ça pour voir ce qui se passe quand on met le truc vers le haut. Donc, je vais le tourner à gauche. Voilà. Ah, ça doit ouvrir la barrière. Parce que là, je vois qu'il y a une barrière. La sortie est là, mais je peux pas l'activer. Ok. C'était ça. Donc, j'étais un peu obligé de le faire, quoi qu'il arrive. Allez, allons admirer le résultat de notre travail. Ah, pourquoi c'est pas. Pourquoi il n'est pas branché ce truc-là? Je suis obligé de finir le travail à pied. Ah non, je peux pas passer. Ok. Ah, là, il y a un petit levier là. Ah, je sais pas ce qu'il actionne. Il y en a un autre là. Ah, bah voilà. Hop, s'appuyer sur l'interrupteur et ça a ouvert la barrière là-bas. Je sais pas à quoi servait le premier interrupteur du coup. Bon, peu importe, j'ai réussi. Dur dur de voir ce boulot et de le faire en même temps. Et oui, en plus, je connais des gens qui travaillent chez Amazon. Ah, pour de vrai, qui font ça pour de vrai. Je sais pas si le jeu va beaucoup leur faire du coup. On va s'arrêter au boulot, mais bon. Est-ce que j'ai mis Frobisher sur PS Vita? Ça manque de jeux de. Oui, c'est vrai. Ah bah, Goat Simulator! Exactement, bah, justement, hier, on a fait Little Kitty in a Big City. Vraiment, pour moi, le modèle, c'est Goat Simulator. Et voilà, je trouve que c'est loin d'être aussi généreux que Goat Simulator. C'est déjà sympa, quand même.
Alors, les bleus vont à gauche, les rouges à droite. Donc, pour le moment, on a surtout des rouges. Okay. Hop. Ah, je peux pas. Celui-là, je peux pas l'orienter. Ok. On va le mettre là, mais. Celui-là. Et celui-là. Ah mais si, il y a un orientateur ici. Oh la vache. Alors, hop. Ah non, j'ai orienté un point de trop. Celui-là, c'est une illusion d'optique où il m'a l'air plus haut que les autres. Alors là, c'est Sokoban maintenant. Pour ceux qui ont connu. C'était un jeu où il fallait pousser des caisses. Voilà. Wow. C'est déprimant un Amazon Simulator, non? Oh, à deux, ça peut être rigolo, non? Quand on travaille à deux, c'est comme les sept nains. Plus en travaillant, c'est plus facile. Voilà, donc là, c'est pour les rouges. Oh là là, mais quelle galère, ça veut dire que... Ça veut dire que quand ça plus, on sera plus les rouges, je vais devoir tout réinstaller, quoi. Ok, donc là, il me faut que des cartons rouges. Enfin, c'est pas un truc de foot, hein, c'est un truc de colis. Voilà. J'ai oublié, j'ai un petit truc pour courir plus vite. Voilà, il est crevé le pot. Voilà, c'est parti. Salut Terence Hill. La version féminine de Terence Hill. C'est drôle. Franchement, c'est bien. Tu viens d'un joli soir. Ah, vous m'hallucinerez toujours avec vos pseudos. Vraiment. Alors allons-y. Les colis rouges. 1, 2, 3. J'en ai 4. Il en veut combien? Il en veut 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors si c'est pas, on va vite qu'arrive. Attention, à partir de là, c'est du bleu. Ouh. Arrêtez juste à temps. Alors. C'est relou là, là franchement c'est relou. Autant tout à l'heure, bon c'était sympa de changer les trucs. Tu vas la voler, ça allait mais là. Alors, celui-là, je peux le repousser là. Celui-là. On va le mettre là. Et celui-là, je suis obligé de le tourner. Alors, je la mets ici. Ah, oh, c'est laborieux là. J'avoue, c'est un peu laborieux. Oh, pas tant que ça. Malheureux. Dans l'autre sens. Voilà, comme ça, c'est bien. Allons-y. Futur employé chez Amazon Marcus. Écoute. Peut-être. Peut-être une carrière insoupçonnée. Allez! Oh, voilà, c'est bien, ça s'emboîte. Au moins, ça c'est sympa, il emboîte directement les trucs. Oh merde, il reste un carton rouge. Ah bah, heureusement que je le vois, tiens. Je vais l'amener à la main. Je vais tout faire soi-même dans cette maison. Voilà, là j'aurai mes 10 cartons rouges. Non, 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 là il va partir du mauvais côté. Voilà, allez, carton bleu, et j'ai vu qu'il y en avait d'autres que je vais pouvoir remettre sur le tapis roulant.
Et voilà le travail. Ah, pourquoi il y a du bleu qui part? Pourquoi j'ai vu un carton bleu partir par là-bas? C'est bon? 9 sur 10. Il m'en manque un. Donc j'ai bien vu, j'ai pas rêvé, il y en a, vous l'avez vu aussi, il y en a un qui est parti à droite, par erreur. Est-ce qu'il réapparaît là? Ah non. Mais il est sympa, il m'a ouvert la... Je vais boire un coup, j'ai bien mis un petit café. Oui, je crois qu'il va plus vite quand il a bu. C'est logique. Oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre? C'est mon vrai nom et prénom, c'est vrai, Terence? Non, attends. Alors si on s'est moqué, désolé. Non mais c'est vrai. Alors déjà, si c'est vrai, j'espère qu'on ne t'a pas blessé. Parce que ça ferait un merveilleux psou. Ensuite, si c'est vraiment vrai, est-ce que tes parents ont fait une petite blague? Ou pas? Parce que quand même, c'est quand même pas grand quoi. Mais je sais pas, c'est... Bon, en tout cas, y a rien de méchant. Hein. Bon, c'est créatif de toute façon, si c'est le cas. Si tes parents l'ont fait exprès, c'est drôle. J'espère que tu le vis bien, en tout cas. Alors, ici, ça a l'air de glisser. Est-ce que je peux prendre ce truc et nettoyer? Non. Là, on ne sait pas encore où doivent aller les cartons, parce que c'est pas indiqué. Je dirais les rouges à droite, les verts à gauche, mais... Alors, si j'allume ça, qu'est-ce qui se passe? Bon. A priori, rien de... Je sais pas pourquoi, ça sent le piège quand même. Ah si, le seul piège, c'est que ça glisse un peu. Ça, le soleil mouillé, quoi, ce truc. Je vais pas me faire absorber parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière tout ça. Ils ont mis une petite musique qui glisse aussi, c'est drôle. Alors, ce que je pourrais faire, si j'étais un peu plus malin, peut-être pour gagner du temps, voilà, c'est jeter les trucs plutôt que faire 1000 allers-retours. Et puis si on était deux, on pourrait faire ça à deux, et se passer des trucs. Ça glisse tellement que les trucs finissent par y arriver d'eux-mêmes, en fait. Les deux colivers qui vivent leur meilleure vie sur le côté, font la fête tous les deux. Mais ils vont finir par y aller, je les connais. Regardez ça. Oui, oui, on va à droite, c'est drôle. Ils sont irrésistiblement attirés par le tapis roulant quand même, on sent qu'ils ont envie d'y aller. Allez, viens! Alors, est-ce que j'ai encore oublié des choses? Je crois pas. Hein. Non, c'est bon. Alors, les colivers, j'en ai combien? 9 sur 9. Et il y a un petit colis qui résiste encore à l'envahisseur. Mais voilà, parti. Et du coup, moi aussi. Tulit! Des convoyeurs du... Ça. Tête droite était la gauche. Oui, c'est possible que je me sois un peu emmêlé. Les... Alors, qu'est-ce qu'il a dit Terence L? Parce que du coup, j'ai pas. Non, t'inquiète, y'a pas de souci. Ma mère est amoureuse de Terence Hill. Elle a dû boire ce jour. Ok. Écoute. Des fois, y'a des parents qui sont un peu farceurs.
Alors ça va, c'est assez discret comme van quand même. Donc ça passe bien. Il y a des trucs plus embêtants. Quel bazar! Et on a livraison à faire. Quelqu'un a laissé ses pièces de convoyeur cassées. C'est un broyeur, il peut recycler ce que tu y jettes. Il y a un truc cassé, essaie de le jeter dans le broyeur. Voilà. C'est là le broyeur, en vache. Faut pas que j'y aille. Allez! Voilà. Là, il va m'en sortir un truc propre. Et voilà. Oh, bah dis donc, c'est bien. C'est pratique. Ah, c'est quand même mieux quand on n'a pas à les retourner à la main. Alors, très bien, sauf que maintenant, je suis coincé de ce côté-là du truc. Un peu relou qu'il ne puisse pas sauter. Bon, j'espère que c'est bien du bleu qu'il veut, parce que de toute façon, c'est tout ce que j'ai. Ouais, il veut 21 colis bleus. Très bien. Et ben, il n'y a plus qu'à les regarder. Il n'y a plus qu'à les regarder. Le rêve, tu jettes un truc cassé à la poubelle et ressort un œuf. Il y a un concept. Oh, l'un des convoyeurs est en panne. Vite, répare-le avant qu'il soit totalement hors d'usage. Vite, vite, vite. Comment je fais? Croix, croix, croix. Voilà, ça y est, c'est réparé. Et j'ai mes 21 trucs, donc tout va bien. Ok, j'ai appris une nouvelle notion. Ah, là aussi, il y a un broyeur, visiblement. Donc, si les choses tournent mal, je sais que je peux broyer les choses. Et là, il y a un interrupteur qui m'emmène à la machine à café. Ok. Alors. Bah, le convoyeur a l'air normal. Je pressens que ça va péter en cours de route. Voilà, ça s'est réparé. Ah, il y en a un autre à réparer ici. Elles sont toutes à moitié pétées. Bah merci, on me donne du matériel complètement pourri. Allez. Voilà. Allez, j'en veux un tout neuf. Bon, il y avait l'air moyennement neuf, mais enfin... Effectivement, on va pas chipoter sur une invention qui permet d'avoir des trucs neufs à la place des vieux. Voilà! Bon, il y a un colis qui a l'air un peu perdu sur la droite. Hop, hop, hop! Attendez, attendez une minute. Voilà, ça s'est réparé. Ça s'est réparé aussi. Ça, je le mets là. Donc voilà, faut imaginer faire tout ça à deux, on ira deux fois plus vite, je pense. À moins qu'on s'engueule avec Julien, ça peut être drôle aussi. C'est typique de ce genre de jeu comme Overcooked. Il y a Sora qui gueule plus ou moins sur l'autre. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait attendre. Voilà, là c'est bien. Allez, c'est parti. Hop, ça se bouscule, tout de suite je vais réparer, j'arrête le truc. Oh là là, mais tout est cassé trop vite! Je passe mon temps à réparer. Et il vaut mieux que j'arrête le convoyeur et que je répare plutôt que... Il va me dire qu'en plus il y avait un temps limité. Ça, je répare.
Là. Ça, je vais le mettre pas comme ça, mais là. Voilà. Allez. Mais il est pourri ce truc-là, on m'a donné un truc pourri. En fait, je ferais mieux de laisser se casser. Parce qu'ils sont pourris de nature, quoi, j'ai l'impression. Cette usine est pourrie. Bon. Tant pis. Voilà. Au moins, le dernier, t'es plus content. Je sais qu'il marche. C'est un peu la solution de la feignasse. Au lieu de tout réparer, je vais juste tout... Je vais tout amener à la main, là. Voilà. Parce que je vais pas passer ma vie à réparer. J'ai autre chose à foutre. J'imagine que je suis payé au colis en plus. Donc on va essayer d'en faire. Peut-être pas le moins possible, en tout cas de faire le plus rapidement possible. Voilà. Et le dernier qui panasse là. Celui-là il veut pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Un peu récalcitrant. Allez, au revoir. Voilà le travail. Voilà, quand il y a des broyeurs, c'est pas bon si ça veut dire que les trucs vont se péter tout seul. Alors allons-y, mettons en marche, on verra bien ce qui se passe. Il veut 25 bleus, ok. Oh là là, il y a du rouge qui sort là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Hop, j'ai arrêté. Je répare. Je répare. Et on continue. Je répare. Ah là, si on était deux, il y en a un qui resterait près du levier et l'autre qui réparerait. Il reste stop, stop, arrête. Hop! Est-ce que j'ai meilleur. Est-ce que j'ai pas meilleur compte de réparer le truc une bonne fois pour toutes? J'ai l'impression que même réparer. Ah mince, il y en a un qui est dans le fond là-bas. Celui-là, il est plus dur à avoir. Oula, il y a des colis qui se sont mélangés là, j'aime pas trop ça. Une expérimentation, je vais laisser celui-là se casser définitivement. On va voir si je le répare, est-ce que il tient plus longtemps. Voilà, paf. Voilà, il est pété, très bien. C'est exactement ça que je voulais faire. Salut West Trebor, bienvenue chez nous. Allez, prendre aussi. Oh non. Ouais, c'est pénible qu'il ne puisse pas sauter parce que... Allez, allez, allez. Allez hop, à la réparation. Non, pas moi, juste le truc. Voilà, donc ça, ça a été officiellement réparé. Et maintenant, je veux voir si il arrête de casser, quoi. Fin du... Quoi? Du quart de travail. Ah, bah j'ai réussi. Super. J'ai cru que... Comment? J'ai cru que... j'avais raté. Donc il y avait un temps limité, en fait. Bon, bah voilà, très bien. Salut de Deltaplane de...
Des pseudos incroyables. Mais mon Saint-Accélérant, je vais pas tarder à aller déjeuner, moi aussi. Je voudrais juste voir. Oh, une scène cinématique incroyable. Gouin, 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 gouin. Ah oui, c'était pas facile, facile. You've been putting in a lot of effort, and I really admire your dedication. In fact, si. I think you deserve a raise. Oh! Yes, but there's just one thing. Do you know how to drive a forklift? Ah, maintenant, ça va être bien si on a des chariots élévateurs. Oh là là là, trop bien, trop bien. I guess I'll have to take back that raise. Ah mince, je me spécialise pas en chariots élévateurs. I was just messing with you. Ah, c'est la mauvaise blague. Pas trop cette blague. C'est le chef Gontier, j'ai reconnu sa moustache. Alors, très bien. Donc, on a fait les 5 premiers niveaux, et maintenant, à partir de niveau 6, visiblement, des chariots élévateurs entrent en jeu. Allez, on regarde juste un petit chariot élévateur après avoir mangé. Quelle heure est-il ? Midi et demi, presque. Allez, je vous accompagne sur, sur l'heure du déjeuner. Alors. Ok. Alors, comment je monte à bord ? Merde. Ah, là, je recule. Alors, pork down avec ça. Voilà. Merde. Et comment je relève la fourchette? Alors, attendez, parce que j'ai bien réussi à baisser la fourche. Avec croix, ok. Et maintenant, je voudrais la relever, la qu'on appelle ça, la fourchette, là. J'embroche le truc. C'est pas John Wick, c'est Fenwick. C'est ça. Non, ça marche pas, les gâchettes avant, arrière. Ah, voilà, bah l'autre gâchette. Ok, très bien. Alors, je conçois, je suis d'accord que c'est pas hyper efficace, mon truc. Mais tant que ça tient... Bon, voilà, ça tient pas, ok. Allons-y, hop, je lève, je tourne, pas facile hein, le maniement du chariot élévateur, ça avec Julien ça va être terrible, voilà. Ah mais merde, mais il y avait un circuit à faire avec. Est-ce que je peux... Est-ce que je vois qu'il y a un parcours sur le côté? Voilà, je le remets bien. Ok, il découpe la palette en petits trucs. Et là, je peux faire un petit... Ok. Alors, on va juste faire un petit tour. Hop.
Okay, ils se sont amusés à faire un petit parcours. Ça me rappelle ces vidéos où on voit des gars dans des entrepôts qui font des sur l'élévateur, puis font tomber un rayon qui tombe sur un deuxième rayon, qui tombe sur un troisième rayon, etc. Ah voilà, j'ai battu en plus un petit record. On va pouvoir faire mieux. Ou pire. Alors, j'avais mis 20 secondes. Oh. Ok, allez, je vais m'arrêter là, je repars en marche arrière. Eh oui, surtout que j'ai encore un colis à livrer là. Allons-y. On dirait les musiques du Cirque Pinder. Ah oui, c'est vraiment le Cirque Pinder. Ce sont tous les clowns là. Voilà. Ça l'embroche plus qu'autre chose. Oh merde, merde, merde. Bon, c'est pas grave, je vais récupérer le coup. Oh, je vais me retourner avec. Oh là là, là, c'est sensible ce truc. Ah, je suis le pire conducteur de chariot. On l'a jamais vu. Voilà. Là, je lève. Et là, je le dépose, délicatement. Voilà. Oh, normalement, ils y vont tout seuls. Hein. 5, 6, 7 et 8. C'est rigolo. Salut, Wif, super play. Je tombe tout par hasard, je découvre des souvenirs de l'époque de No Life. Merci pour tout. Ah, c'est gentil, merci. Merci. Si tu veux des souvenirs de l'époque de No Life, alors va sur ma chaîne YouTube. Donc tous mes réseaux sociaux, c'est Marcus The Boulet. Marcus Z-E-B-O-U-L-E-T. Que ce soit Twitch, Twitter, Facebook, YouTube, tout ça c'est moi. Voilà, Marcus The Boulet. Et voilà, oh là là, mon Vlacero qui déclenche direct. Voilà, tu as le lien direct si tu veux aller voir. Chaque semaine, on met en ligne avec l'ami Snakehead un ancien épisode de l'époque de No Life. Donc tu peux aller voir, on en a plus de 500. On en met un par semaine, donc là on doit déjà être à... Je sais pas combien on a mis. Pas loin d'une centaine, je pense. Donc tu veux retrouver des vieux épisodes, ils sont là en bonne qualité. Là j'ai les droits, donc je peux faire ce que je veux avec. Donc je les mets sur ma chaîne YouTube. C'est gratos, hein, tu peux y aller, c'est juste pour le plaisir de le partager avec vous. Donc chaque semaine, un nouvel épisode. Ça va durer des années cette histoire. Oh là là, alors maintenant j'ai droit à ça comme engin. C'est rigolo. Pour passer des trucs de l'un à l'autre. Alors, en haut, en bas. Droite, gauche. Haut, bas et grab avec ça. Ok. Et bah allez. C'est mignon ce petit jeu. Oh là là! Là, il y a beaucoup d'inertie en fait. Alors, vers le bas. Grab. Vers le haut. Et on tourne. Et on lâche. Eh ben voilà. Je baisse. Je grab. Je tourne. Oh putain, il a vraiment... J'ai l'impression de faire du taureau, là, de rodéo, là. Oh merde, c'est pas ce que je vais faire. Je vais lâcher, voilà. Il bouge quand même très vite, le truc. Ah merde, j'en ai fait tomber un sur le côté. Là, ils se bousculent entre eux. Putain, j'espère qu'à la fin, il y aura une reine alien et que je pourrais la dégommer avec un truc comme ça. Ce serait top. Lui, je peux l'attraper. Non, j'arrive pas trop à voir où il est en fait.
Je vais le chercher à la main. La bonne vieille méthode, le gars il a quand même une grue, mais il faut qu'il fasse tout à la main. Alors lui voilà, j'ai pas compris. Ah ouais, ça y est, j'ai compris comment il était foutu. Avec la perspective, on a du mal à comprendre. Voilà. Ah bah les gars, on est coincés. Voilà les deux derniers normalement. J'aurais pu me faire passer pour un carton. Toujours des chouettes musiques hein, depuis tout à l'heure. Oh ma geek en rose, tu vas bien? Est-ce que tu as testé la recette de Matt? Il y a des recettes de cuisine qui s'échangent ici les amis. C'est pas le bonheur ça? Oh alors là j'ai de tout. Juste de la lave. Ok. Ok, donc première étape, je pense qu'il faut que j'emmène les paquets ici. Ah bah voilà, là si on était deux. Sympa ça. Bah mine de rien. Ah bah si j'emmène pas le truc évidemment. Mine de rien ce petit jeu. C'est plus varié qu'un Overcook dans le même genre. Je pense qu'on peut jouer qu'à deux, je sais pas pourquoi. Hop. Voilà, faut que je baisse un peu plus. Voilà, quand même une grosse inertie. Voilà, faut pas y aller comme un bourrin, faut conduire ça avec élégance. Classe, distinction, persuasion, grâce. Je le dis, mais je le fais pas vraiment. Voilà. Ah, pourquoi ce truc-là se met pas en route? Bon, simplement parce que j'ai pas branché. Mais ça va venir. Ouf, 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 ouf. Le frein sert bien, en fait. Comme il y a beaucoup d'inertie, le frein me sert à stabiliser le machin. Alors, plus bas la fourche. Hop, je l'ai. Je recule gentiment. J'avance délicatement. Ah, il est sympa. Il est sympa, il m'a remis le truc. Je baisse la fourche. C'est délicat en fait. Voilà. Là, le truc s'enfuit. Oui, il est sympa parce que le truc, il a quand même un peu de traviole, mais il accepte quand même. Allez, je vais faire les choses bien. C'est laborieux. Voilà, hop, je soulève délicatement le plus haut possible. Voilà, et je vais éviter de faire tomber ça dans la lave. Voilà, je baisse le petit crochet. Et a priori, je n'ai plus besoin de cet engin, donc je vais peu descendre. Et je vais mettre ce levier en marche. Ok, je vais récupérer des petits paquets que je vais faire transiter par là. Ah, et nous avons deux types de paquets. Donc ici, les paquets marron. Hop. Pas que ça se bouscule non plus, que ça tombe trop dans la lave, mais oh, je deviens absolument professionnel. Ah, puis alors imaginez en plus, quand on se prend un peu au jeu, on essaie de faire un temps, que là j'essaie de plus juste faire les trucs, mais je pourrais aussi essayer de battre mon record, quoi.
Comme Overcooked, d'avoir des étoiles et tout. Ah mince, les trucs n'arrivent pas jusqu'à moi. Bon, s'ils n'arrivent pas jusqu'à moi, on va les aider un peu. Voilà, ça peut aider si on est deux, par exemple. Il y en a un qui peut faire ça pendant que l'autre le fait avec la pince. Allez, je reprends la pince. Ah, une musique vraiment de vieux James Bond, de trucs comme ça. Allez, on baisse. Voilà, on va chercher celui-là. On ramène. Ah, je commence à avoir une certaine grâce avec ce truc, hein. Voilà le travail. Allez, c'est la pause déjeuner, les amis. On va aller déjeuner et on mettra ça cet après-midi. Peut-être qu'on regardera le Pac-Man Champ. Là, c'est bien. Je commence à voir. Ah bah voilà. Bon. Tout ça est ouvert. Niveau 11. Ok, bah en tout cas, c'est pas mal. Rien que pour la musique, c'est bien. N'oubliez pas d'aller pointer en sortant. Tout à fait, mon dinde. Bon, et eh ben les amis, bon appétit. La geek en rose, si tu veux donner ta recette, c'est le moment. On va nous aller déjeuner. Je vais regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de garde? Hier, on est allé chez Poupi Lala. Elle est en discussion hier. Elle était sur Disney Adventure, c'était marrant à voir d'ailleurs. Qu'est-ce que nous avons? La Mimintos qui est sur Hades. Eh bien, Mintos. Ponce qui est sur Baldur's Gate. Maxildan sur Final Fantasy. Dame Dame qui est sur Little Kitty. Elle me pique mes, jeux. Qui c'est qu'on a d'autres? Ken Bogart. Oh! Ken Bogart sur Project Justice. J'adorais ce jeu. C'est Rival School Project Justice. Ah, oh, c'est marrant qu'il stream ça. Je propose un petit raid chez Ken Bogart, des amis. J'ai curieux de revoir du Project Justice. C'est trop bien. On fait ça? On fait ça. Allez, c'est parti. Mon Blasero, si tu veux bien nous préparer un petit raid pour Ken Bogart. K-E-N-B-O-G-A-R-D, tout simplement. Tout est attaché, il n'y a pas de tiret, il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Il n'y a pas de piège dans, dans le nom. Voilà, ça va être cool. Et puis moi, je reviens en début d'après-midi. Je vais manger assez rapidement. J'ai encore pas mal de devoirs à faire. On regardera ensemble le jeu Pac-Man. Peut-être le jeu de motocross. Mais bon, je laisserai mon invité plutôt me guider. Ce sera plus sympa. Voilà. Et puis demain, on se voit chez Game One. Donc le matin, je tourne 3 level 1. Vous les verrez dans le courant de la semaine. L'après-midi, à l'heure du goûter. On est avec toute la team Game One pour vous parler de l'actu du jeu vidéo. Et dans la foulée, un petit level 1 en direct, donc sur Little Kitty in the Big City. Que est en train de faire Dame Dame. Si vous voulez aller jeter un oeil déjà, moi je l'ai fait déjà un peu hier. Voilà, ça va être cool. Voilà, le raid est parti. Donc je vais juste attendre pour être sûr que le raid se fait bien. Après quoi, je couperai l'antenne et on se retrouvera en début d'après-midi. Pour la suite du chat. Voilà, merci d'avoir été là les amis, c'était cool. On a eu plein de nouveaux, merci pour les raids qu'on a eu, c'était super. Merci pour tous les follow, tous les subs, c'était vraiment cool d'avoir tout ce petit monde en plus. Toujours très content moi d'avoir des nouveaux petits amis et puis des vieux petits amis qui m'ont connu il y a 15-20 ans et qui me redécouvrent. Je suis toujours là, toujours payé pour jouer. Là, je suis pas payé mais je joue quand même. Parce que quand on aime jouer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin non, j'exagère, je suis payé puisque je prépare les level 1, donc je suis payé pour le faire. Donc ça, oui. Pas payé pour streamer, on va dire. Bon, ça n'a aucun intérêt. Allez, allons voir quelqu'un de bien, Ken Bogard. Je vous fais des gros bisous, les amis. Ciao!